Je suis Marie, alors avec mon astérisque, comme je le dis, j'y tiens ma guitare et j'essaie de faire frétiller les tympans avec une boîte magique, voilà, un sampleur en fait qui est à mes pieds et je fais de la chanson qui groove. Tentons de faire briller nos pensées, n'ont rien perdu dans notre espace. J'ai commencé la guitare, j'avais 7 ans. Et la compo, tout ça, c'était vers 12-13 ans avec des potes pour s'amuser. Et depuis que j'essaye un peu de faire ça sérieusement, d'essayer de faire mon petit trou dans un milieu pro, c'est depuis 2007-2008. Alors bonjour, on s'appelle LOL. Sophie dérive dans les détails du récit de sa vie passée. On fait de la chanson française, électro-pop. Sur scène, je suis accompagnée de Geoffrey qui est à la guitare. Moi, je lance des samples de voix et des beats sur un SPD. Tu fais du clavier ? Je fais du clavier et je chante. Mademoiselle, n'écoute que ma voix. Je ne peux plus vous répondre, mais je vous reçois. Ça fait quoi ? Une dizaine d'années qu'on s'est rencontrés et le projet est né il y a à peu près 6 ans. Et la nouvelle formule est née il y a à peu près un an. Ouais. Ouais, une petite année. Monstres intérieurs, comme une réminiscence des souvenirs de l'enfance. Nous sommes Squid and the Stereo, un trio électro. Un électro matinée de rap, de dubstep, de house, de pop. Et donc Diane est la chanteuse. Harold est aux machines. Hi. Moi je suis au rap et aussi aux machines. On fait tous les trois des machines en fait. Ouais. On fait des battles. On n'a pas d'instruments, on n'a que des machines. C'est pas mal aussi. Way to success, we keep on asking the same question. How much time left? Donc on est le groupe Quiet Please, voilà, on fait de l'électropop, on est quatre. Il y a Olivier à la basse, Étienne au clavier, Raph au chant et à la guitare, et moi je m'appelle Alan, je suis à la batterie et à la machine. On a sorti notre premier EP en mars dernier et après deux premiers clips, on va en sortir un troisième d'ici deux semaines. On espère que vous allez pouvoir le regarder. Actualité concert, on va jouer au Truskel le 16 novembre et on a joué à la Boule Noire en mai dernier. Il y a des vidéos live qui arrivent.